va bien. Tu es content? Ah oui, bien sûr. Merci mon ami. Et j'ai fait la diagonale. Il va prendre les frappes avec le pied droit, mais j'ai pensé, j'ai gardé le ballon et après j'ai fait les frappes avec le pied gauche. Et but, ça va. Très content. Allez. T'as le volume, pour que écoute. Ouais, ouais, parce que c'est le pied bon et moi, le pied droit seulement pour monter le bus. Je pense que les garçons ont joué intelligemment. Ils ont joué intelligemment parce que, au vu de la chaleur, au vu de l'adversaire, on a fait un gros match sur le plan tactique. Et c'est vrai que tous les coups, les bons coups, on les a joués à fond. Notamment sur les coups de pied arrêtés et puis bon, tous les contres qu'on a pu avoir. Parce que bon, en face, c'est quand même du costaud. Je pense qu'on a fait un match plein. Bon, après, c'est sûr, à la fin, le dernier quart d'heure, on a un peu souffert parce que bon, ben, voilà, on était avec l'expulsion de Diego. C'est sûr, quand on joue à 10, c'est toujours plus difficile. Bah, bien, parce qu'on a gagné. Donc, bien, très bien. On a été solide derrière. C'est important à domicile de ne pas prendre de but et de commencer par une victoire. Moi, je suis satisfait. C'est vrai que 3 points, c'est important au début de saison. Maintenant, il y a du travail et il y a beaucoup à faire encore. Ouais, première réussite, c'est vrai qu'on avait à cœur de bien débuter parce qu'on sait que le premier match, c'est important, surtout à domicile. Voilà, il n'y a pas de secret, on doit être intraitable à domicile. Et ce soir, je pense qu'on a pris le match par le bonbon, on a su les gêner, les empêcher de développer leur jeu. Et voilà, on a eu la chance de marquer. Et malgré l'expulsion de Diego, on a tenu, on a été solidaires, même si ça a été dur, qu'il y a eu un peu de fatigue en fin de match. Le principal à retenir, c'est qu'on a été solidaires et qu'on a su être costaud et garder le résultat. Ce qu'il faut retenir, c'est la qualité de jeu qu'on a quand même produit, c'est important. La discipline aussi qu'on a eue sur chacun sur le terrain. Chacun a pris sa responsabilité et a été humble. Et au bout, quand tout le monde est discipliné, tout le monde a l'envie, ben voilà, ça donne des très bons matchs et avec des résultats au bout. Je dirais que c'est la victoire. Je pense qu'il n'y a pas mieux de commencer une saison par une victoire. Et derrière cela, on a vu la combativité de chaque joueur et je suis plutôt content de ce début de championnat. Les supporters étaient contents, ça nous a fait plaisir de gagner, de montrer cette solidarité qu'on a eue parce que bon, réduit à 10, ça a été dur. Mais bon, on a tenu, on s'est accroché et on ressort avec une belle victoire, je trouve. 3 points importants. Ouais, je pense que ce n'est qu'un match, on l'a fait et basta. Je pense que le plus dur reste à venir et on espère faire mieux. Quand je vous dis qu'il y a du boulot, c'est vrai que le match, il aurait pu basculer aussi d'un autre côté, donc il faut être conscient de ça. Il faut savourer la victoire, mais être lucide. Donc, on a bien vu que nos manques encore, et puis bon, physiquement, il faut encore qu'on gagne en puissance et en vélocité. Il ne faut pas s'enflammer, et il faut continuer à jouer comme on le fait, progresser et tous ensemble. Et puis, il n'y a pas de raison que cette année, ça ne marche pas. Je dirais qu'on a eu un esprit de combattant. On a tous bossé ensemble et je souhaiterais que mes coéquipiers et moi fassions idem tous les matchs. Bien sûr, il faut déjà se projeter sur Nancy. Voilà, et là, on va bien récupérer et bien se reconcentrer pour le match de Nancy, d'autant plus qu'eux aussi, ils ont gagné. Et j'en connais quelque chose parce que j'ai passé 5 ans là-bas. Je sais que ça sera très difficile là-bas. Une immense fierté de pouvoir officialiser la fin de ma carrière à Monaco. D'avoir touché mon dernier ballon sur un stade de Ligue 1, c'était bien et symbolique et ça me fait super plaisir que ça soit fait ici. Et puis beaucoup de passion, beaucoup de chaleur, beaucoup de tout qui m'ont traversé un petit peu la tête. C'était bien parce que j'avais ma femme dans les tribunes, j'avais des amis et l'anniversaire de mon fils aujourd'hui qu'on a venu fêter à Monaco. Et content encore plus parce que ce soir ils ont gagné et ça m'amène encore plus à me dire qu'ils vont faire une très bonne saison. Donc voilà, très très content cette soirée.